le monde. Oh. Ah non, wesh, là c'est la K-pop. Salut tout le monde. Hey tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je reviens pour une nouvelle vidéo playlist K-pop. Parce que voilà, j'en ai déjà fait deux, vous avez énormément, moi j'abuse hein. Énormément. Elle vous a plu, du moins j'espère. Bien sûr je reviens encore en compagnie de Ati, de la chaîne Atiza. Je mettrai sa chaîne en barre d'infos, vous même vous connaissez. Attends, t'as pas un micro toi? Putain, tu m'as sauvé la vie. J'en ai mis ta mère, t'as oublié. Heureusement tu m'as rappelé hein. Bah oui, je me dis il est vide un peu là. Je sais pas si vous voyez une différence avec le micro, mais en tout cas moi ça me rassure. Enfin bref, sinon je disais oui, je reviens avec une nouvelle playlist K-pop 3 avec Ati comme d'habitude. Mais avant de commencer, je voulais vous parler d'une application qui m'ont bien gentiment contacté et que pour le coup j'ai testé et trouvé assez cool. C'est pour ça que j'accepte d'en parler dans cette vidéo. Ouh, je parle vite là. Du coup, Docamino, c'est une application qui regroupe plusieurs communautés dites amino avec énormément de catégories différentes. C'est-à-dire que voilà, tu peux retrouver un amino K-pop, un amino lifestyle, un amino mode, en fait un amino avec ce que tu aimes en fait. Et le truc c'est que tu peux créer toi-même ton propre amino perso. Moi je suis dans un amino spécifique qui est FR K-pop. Et d'ailleurs je suis même pas le seul youtubeur à être sur cet amino. Il y a Lilix, Lonnie Miller que vous connaissez sûrement, etc. Et en fait dans cet amino on parle de K-pop tout simplement. On partage notre passion pour la K-pop. Et voilà, on peut répondre à des sondages, faire des quiz, lire des news, des blogs, etc. Intégrer des groupes de chat. Et voilà, tout simplement en fait rencontrer des personnes qui partagent tout simplement la même passion que toi. D'ailleurs vous pouvez me retrouver sur FR K-pop en mettant Jéhovah dans la barre de recherche et me suivre. Et en fait voilà, moi en tout cas moi j'aime beaucoup cette application. C'est en fait ce que je retiens de cette application, c'est surtout l'esprit de partage et en fait de communauté, vraiment de communauté. Je pense que c'est vraiment ça en fait le but de cette application et c'est ça que je trouve vraiment assez bien pour le coup. Trêve de blablatage et passons enfin à la playlist.
you know I'm a, don't you know I'm a. 내가 널 이끄는 대로 움직여 뜨겁게 너의 손을 거두어와 나도 다른 너와 나를 묻지 또 다시 묻기 엄청 착한 날 독하게 해 우리들만에게 영화해 진짜 주인공은 너였어 baby 너여야만 hey yeah yeah 내가 아프지 추억이 됐다면 만든다 시나리오 이젠 조명이 꺼지고 볼만한 멜로 드라마 괜찮은 결말 어린 그날 따라와 원어만 노래 너도 나는 지금 거의 타이젠 해볼래 oh no no shabba shabba 도대체 Cette vidéo touche à sa fin, j'espère qu'elle vous a plu. Si vous avez des musiques que vous voulez que je mette dans une prochaine playlist ouais. Ou même des musiques que vous écoutez en ce moment et que j'ai pas mis dans ma playlist, n'hésitez pas à les mettre en commentaire, j'irai voir tout simplement. Oui. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à lâcher un petit pouce en l'air, ça me ferait vraiment plaisir. Et moi je vous dis à la prochaine pour une bonne vidéo. Vive les gyoza et les kimchi. Allez, Titi, elles ont pas sorti de Twice. Elles ont pas sorti de Chicken. Titi, elles ont pas sorti de choses. Bizarre. Chicken, elle a dit Titi.